elle pourrait faire un effort. Ouais, franchement, si elle pourrait faire des efforts, elle pourrait travailler. Ben, j'ai déjà essayé, vous savez. Entrez ! Bonjour. Oui, ok, au revoir. Écoutez, je n'avais pas passé par quatre chemins. Je vais vous dire simplement, franchement, que vous n'allez pas dans cette industrie. Je pense que cela ne vous correspond pas. Il faut certaines compétences acquises pour faire ce métier. Alors, comment réintégrer les SDF à la société? En 2023, on estime qu'il y a 330 000 SDF en France. 100% des sans-abri aimeraient travailler, mais sont malheureusement au chômage, car ils rencontrent beaucoup de problèmes. Comme par exemple, pas d'adresse pour recevoir ou envoyer des courriers, des problèmes de transport ou d'hygiène. Tout d'abord, il y aura des panneaux interactifs qui permettront de localiser un bus qui pourra leur servir de salle de bain, cuisine, bureau, ainsi que d'un espace pour dormir. Pour accéder au bus, ce sera très simple. Sur des panneaux interactifs qui seront placés un peu partout dans la ville, il y aura une localisation en live. Donc, lorsque vous le voyez dans la rue, il suffira pour l'arrêter d'appuyer sur un bouton pour pouvoir entrer. Une fois à l'intérieur, vous pourrez prendre une douche ainsi que vous laver les dents. À votre service, il y aura une armoire comportant une tenue pour chacun pour se préparer un entretien d'embauche. Dans ce bus, il y a aussi 4 lits. Les personnes et familles de SDF pourront bénéficier de ces lits pendant 2 heures au maximum. Comme vous l'aurez vu, sur les photos, il y a un frigo. Dans ce frigo, toujours rempli bien sûr, il y aura des collations consistantes s'ils en ont besoin.